La hausse se poursuit sur le NYMEX pour le cours du brut, bien aidé par les bonnes nouvelles sur l'emploi. Les nouvelles inscriptions au chômage hebdomadaire ont baissé de 7 000 et s'établissent à 395 000. Les analystes étaient bien moins optimistes puisqu'ils tablaient sur 410 000 demandeurs d'emploi. Ainsi, les investisseurs relèguent au second plan le mauvais chiffre de la journée sur les exportations. Elles ont reculé de 2,3% en juin. C'est pire que prévu et c'est un chiffre qui va lourdement peser sur la balance commerciale et à terme le déficit et la croissance américaine. Dans ce contexte, la progression du prix du baril de pétrole brut est limitée à 0,1% à 83 $ à mi-séance à Wall Street.